Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Diaspora, beaucoup dans la palais, bas combattants, beaucoup dans la palais, bas congolais, aux hommes monde entier, dans 5 continents, mon kiri mon bimbabo, s'abonner dans Congo Dialogue, info à suivre. Et vous pèsez à ma solo, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi tosangana, bisonnier sur bas congolais, tous dans le monde entier, tous s'abonner dans Congo Dialogue, info. Et si vous avez un monde à moi, si vous avez une idéologie, facile en gamme. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoin de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais, constitue des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par les M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, à marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ses équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC et pris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellées. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est, car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle et notre sécurité ne peut être sous-traitée à quelques milliers de militaires kényans, burundais et ougandais sous la supervision du renseignement militaire rwandais. Nous devons refuser cette énième humiliation. Les temps de l'autoprise en charge patriotique est donc arrivé. Jeunes de la diaspora, issus des parents congolais, appropriez-vous ces combats de libération de notre pays, organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions des pays où vous vivez
notamment le pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Canada pour protester vigoureusement contre l'agression de la RDC par les Rwandais et contre le projet de balkanisation de notre pays. Artistes et musiciens de la diaspora, faites connaître au monde entier la souffrance que vos frères, sœurs et parents vivant au pays endurent. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncez l'agression de notre pays par les Rwandais au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Quelles que soient vos convictions religieuses, soyez nombreux à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Congo ekolo moko. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les Très-Hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et s'élève vaillamment pour défendre une cause, personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de le surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Oye na société, ba société belé, boyoka lesate. Tout comme na ba foyer nene moko, papa na maman dialogue sate. Et comme alobi, moi na bimi fasé a kimindaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini, dialogue sate na ba foyer. Komoni lelo mindele ba sangana ki ba sali héro. Bon, on a makasi pour un dialogue. Dialogue de sali, dollar, les lots et salamakasi. Dialogue de sali, les lots livres sterling et salamakasi. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie, na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue. Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, bisous, n'y a pas de Congo dialogue, c'est YouTube.